Nat Geo Wild. L'épine dorsale de l'Amérique naît en Alaska. C'est à croire qu'ici, l'âge glaciaire ne s'est jamais terminé. Par endroits, la couche de glace fait près d'1 kilomètre d'épaisseur. Plus de 1500 km au sud se dressent les montagnes les plus emblématiques du Canada et des États-Unis, les Rocheuses. Certains sommets comptent parmi les plus élevés d'Amérique du Nord. Un animal à la résistance hors du commun habite ces montagnes. Le mouflon des Rocheuses. L'arrivée de l'automne marque le début de la saison des amours. Les mâles se battent pour la domination des femelles qui, au printemps, leur donneront une descendance. Ce mouflon a 6 ans, l'âge d'entrer dans la bataille. Son adversaire plus imposant et plus fort a 8 ans. Il revient au plus jeune de provoquer le combat. Ce qu'il fait en donnant des coups de pied et des coups de langue à son rival. Le mâle plus âgé s'éloigne, apparemment en signe de soumission. En fait, c'est une marque de mépris. Une façon de dire « Tu me cherches, eh bien, tu vas me trouver ».